et besoin ça. Maintenant, à partir de besoin ça que l'identifié, ça qui s'est passé, il prenait ça que tu es capable de donner opportunité. Opportunité ça, est-ce que tu as un autre monde qui dévoile ça? Pas pour un autre monde qui dévoile. Qui prenait le monde qui dévoile et lui-même qui vient avec et prenait opportunité. Et le seul ça qui prenait le poste à la et tout ça, son monde qui a fait un pile l'argent pour nous. Maintenant, l'autre concept avec nous. On est capable de bien expliquer nous, concept entrepreneur là, qui ça. Est-ce que nous connaissons que, et le pays, nous sommes capables de créer les langues historiques? J'ai créé que le pays historiques, il vient avec un concept qui est bio. Dernièrement, bon monde qui est gratuit, bon, on a gagné un point. Tu as compris que ça a bien passé. Et lui, l'aller dans l'historique. Mais dans l'historique, ça fait la guerre. Manger là, c'est pas acheter l'acheter. Il faut juste acheter un gros dans le restaurant. Et puis, sous le côté de Chita, il y a un petit fou, il y a un petit chaudière, c'est qu'il a préparé manger dans le restaurant. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que le concept restaurant, ça se passe mieux que le restaurant? Et, bah, nous, on le voit, c'est un exemple, on a attrapé là. Comme je suis dit, et on peut manger. Mais qui ça, on peut manger, il fait que le boulanger, il a dit dans le boulanger. Mais ça fait. Boulanger, que le pays là, vivre dans des cabines qui vendent du pain automatiquement. Ça veut dire que si vous n'avez pas de cap pour payer en bas, vous venez, vous mettez le cop là, et puis payer en sortie pour aller à la cave. Là, vous parlez de vendeur pour vendre du pain. Et monsieur Saki Sake, lui, c'est un entrepreneur. Ça veut dire, entrepreneur là, il n'a pas capable d'identifier besoin, créer richesse, créer opportunité là pour être capable de créer richesse. Identifier besoin, créer opportunité pour être capable de créer richesse. Malheureusement, en Haïti, si nous avons des nouveaux moyens, quelques exemples d'entrepreneurs, nous ne pouvons pas avoir. Presque la guerre, ça presque pas existe. Qu'est-ce qui va faire un monde pour l'entrepreneur? Qu'est-ce que tu as dans le monde? Qu'est-ce qui va faire un monde pour l'entrepreneur? Selon moi. Qui ça qui t'a fait moi, même moi, entrepreneur? Qui ça qui t'a pas fait? Sans lui, il n'a pas fait grand monde qui est entrepreneur. Est-ce que les deux entrepreneurs qui font entrepreneur? Est-ce que les deux entrepreneurs, c'est expérience qui fait vivre entrepreneur? Alors, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a deux entrepreneurs qui les fait entrepreneur. Dès qu'il fait, il est toujours actif avec des amis. Et de l'entrepreneur, c'est l'expérience professionnelle qui fait de l'entrepreneur. Par exemple, moi-même qui suis professeur, à travers l'expérience professionnelle, moi-même, je dois créer une université pour moi. Mais ça fait ça, c'est parce que moi-même, longtemps observé le système éducatif là, moi-même, je n'ai pas qu'un bagage, et à partir de l'élément ça, moi-même, je n'ai pas venu créer une nouvelle idée. Ok? Et bien sûr, entrepreneur, c'est apprendre, C'est que y aller dans l'école, y aller, y avoir une technique pour être capable de finir entrepreneur. Alors, entre les trois salons, il y a deux mondes qui font entrepreneur, il y a deux mondes, c'est expérience professionnelle qui fait que vous êtes entrepreneur, et il y a deux mondes, tout c'est apprendre, pour être entrepreneur. Mais je me demande, est-ce que l'entrepreneur, est-ce que ça dépend du pays où tu es sorti? Est-ce que le pays où tu es sorti est capable d'avoir une influence sur la capacité que tu as pour bien entrepreneur ou bien pour ne pas entrepreneur? Attendez-nous. Est-ce que le pays où tu es sorti il est capable d'avoir une influence sur la capacité que vous avez pour vivre entrepreneur ou bien sûr, il est capable de faire dans n'importe quel pays sorti, il est capable de vivre entrepreneur. Vous m'entendez? Bonjour, Sam Chapdi, des fois pays qui sont capables de faire ça. Si je vais un paquet d'importance, je m'arrête ça. Je dis que je vais faire un paquet de valeur
Parler de entrepreneuriat. Bien que aujourd'hui sur le pays, là, que toute bagarre difficile, impossible. Et bien, c'est parler de qui difficultés et qui avantages, opportunités surtout, bien pour toute start-up, directement qui t'a aimé, évoluer le pays, la protection surtout. Mais c'est une invitation que, en plus, nous avons à cœur, qui l'aide dans le passé. À soutenir, parce que nous faisons un mouvement quotidien difficile pour avoir des jeunes gens, des projets. Mais heureusement, nous avons un peu de temps, il y a un peu de jeunes, surtout, qui sont capables de participer dans ce qui continue ça. Nous avons une question d'entrepreneuriat, donc nous avons avoir des études, nous avons un peu de temps, nous avons un peu et ok, bon, parole de la qui dit, et là où le péché abonde, la grâce sera bonne. Donc ça veut dire. En d'autres termes, c'est bon entrepreneur, vu que c'est pas un type comme d'affaires, même déjà le tout, automatiquement il y a plus de problèmes, c'est automatiquement il y a plus d'opportunités. Donc là maintenant, payant dans une situation qui est assez difficile, c'est clair, net et précis. Mais, par-dessus tout, il y a plus d'opportunités qui viennent, parce que quand pile travail qui fait mes voitures, il y a un pile qui ouvre votre quand pile tout, c'est tout n'y a mon opportunité qui vient. Si nous faisons un petit bac en 2021, donc avec le Covid là, il y a un paquet de monde réussi dans un paquet de domaines. Donc, je dis en situation difficile, c'est cependant, nous-mêmes jeunes, nous c'est à venir pays. Bien que nous laissons à la dérive, mais nous voulons faire les choses en ligne, qui est une opportunité d'un pile bagage qui a fait toujours. Avec le domaine. Malgré le phénomène de sécurité, bien que nous-mêmes tous, nous conscients du phénomène de sécurité, nous ne pouvons pas passer au-delà de ça. Par ailleurs, nous ne pouvons pas prêter tout pour nous être inactifs. Nous avons préparé nous de manière à ce que si mon changement, si quelque chose qui vient, nous prêtons à tout. Et en cas où tu as une amélioration, nous sommes prêts. Et combien de temps nous avons depuis nous lancer et pour comme ça, pour nous donner une formation d'entrepreneuriat. Et le club là, c'est un club qui est assez jeune. Nous sommes dans l'université autonome de Port-au-Prince, qui c'est une app. Et ensuite, nous avons pour un an. Mais par ailleurs, c'est la première grande activité que nous avons organisée. Et nous continuons à lancer un peu d'autres activités. Et pendant le lancement, est-ce que nous sommes son réussite liée pour nous via comme ça, situation paysan? Son réussite, surtout via situation paysan, du fait que. Dans ce moment-là, surtout avec tendance qui gagne, nous ne pouvons pas que tu aies un jeune, surtout, qui est assez intéressé à un jeune d'activité pareil. Heureusement, toujours des jeunes qui sont assez intéressés à un jeune d'activité pareil, des jeunes qui sont assez conséquents. Nous sommes certains que l'avenir, plus ou moins, nous pensons de s'allier et nous voulons prendre. Et vous avez choisi de participer dans notre formation de science et entrepreneuriat et qui m'a utilisé pour participer. Nous sur les réseaux sociaux. Nous sur les réseaux sociaux, nous sur Instagram, c'est Club Futurpreneur. Nous sur Facebook, toujours Club Futurpreneur. Nous sur Twitter. Et ensuite, nous gagnons information téléphone et nous gagnons adresse mail nous tout que vous capable de contacter nous. Par ailleurs, si on voulait toujours être informé, nous avons dit à tout le monde que vous capable de suivre nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et Instagram. Et ensuite, il y a toujours des updates de activités que nous avons pour organiser. Est-ce que vous avez besoin d'une évaluation comme quantité de monde dans la capsule formation? Évaluation de? Combien de quantité de monde dans la capsule formation? Bon, là, je pense que nous dépassons une vingtaine. Nous dépassons une vingtaine. Nous te prévoir du à conjoncture, parce que son programme que nous disposons fait déjà pour voter, du à conjoncture, là, il logement, il 70. Oui, il 70. D'accord, merci. Par rapport avec la formation, ça qui attend. Attendre pas, nous-mêmes, c'est pour chacun des participants qui sont capables de sortir avec son bâtiment. Nous sommes capables de connaître surtout en Haïti, son bâtiment déjà qui est
difficile pour travailler. D'ailleurs, pour travailler, il y a toujours une expérience, etc. Parce que tu es jeune, par rapport avec problèmes sociaux, politiques et problèmes de sécurité en tant que pays, qui est ce qui motive nous en tant que formateurs pour nous faire la réaction ça. Motivation est plus basée sur les jeunes qui sont surtout parce que ils sont capables de produire avec un esprit productif parce que ils sont capables de s'avancer et surtout que ils ont vraiment son problème même parce que chaque jeune doit se poser pendant qu'il y a un problème pour une opportunité. Opportunité aussi pour les caméléons. Parce que l'esprit qui est capable de plus faire, qui est capable de créer, qui permet que vous aboutissiez avec un réussite. Formation ça, après nous allons compter cibler notre jeune qui est surtout dans le quartier populaire. Oui, justement parce que le plus souvent, ils ont toujours pensé que c'est seulement intellectuel, ou du moins si on monde qui vient dans mon profession déjà qui est capable de créer, même parce que dans n'importe niveau social de mon cahier, il est capable de créer et permettre de avancer économiquement et socialement. Je voulais dire en formation en fait, qu'il est là fini, et puis comme je disais, on a été ciblé, qui côté dans la zone métropolitaine. Alors, c'est en conférence d'un jour. C'est aujourd'hui, on a supposé que nous avons plusieurs séances que nous avons fait toujours. Et puis, si vous avez compris la faculté, nous sommes là. Et puis, avec nous, nous sommes censés faire quatre ans pour l'autre jeune dans l'autre quartier, dans l'autre faculté. Nous avons l'autre jeune capable de bénéficier de l'autre. Par rapport avec formation ça, on commence à capabiliser les jeunes. Est-ce que nous avons un support pour côté autorité concernant qui vont faire ce qu'on va vivre? Nous pensons que c'est le même. Donc c'est pas comme si son groupe pour les communes de politique de la fin. Le message à l'égard de tout le monde qui a suivi et surtout le monde qui est avec nous pour l'information. Le message là, c'est que nous avons toujours été parce que mon génération parmi nous qui s'est exprimé des pays en plus. Merci.